Salut à tous, je suis avec David. Hey. On part à la recherche du campus. On est en train de préparer nos affaires. Et tout ça pourquoi ? Sûrement pour rien, parce que le campus il existe. N'existe pas. On a besoin de votre aide pour aller à la grotte. Soit on longe la rivière, mais le chemin a l'air plus compliqué. Ou alors on contourne les montagnes, mais le chemin est plus long. Aidez-nous là, franchement, là on est vraiment paumés. Salut! Salut! Enfin, casse-croûte! Du coup, on se demandait, le campus, du coup, serait plus genre un Yeti ou un. Ou une chèvre géante. Voilà. Bah, dites-nous! Allez, David, t'es en direct, tout le monde est avec toi! On t'encourage! Ah allez, David! Wouh! Pourquoi je suis seule? Je suis en direct de la grotte du campus pour prouver à David qu'il n'existe pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh, mon Dieu. Tu te rappelles de mon grand-père explorateur ? Et c'est reparti. Tu vas recommencer avec ton crampos. Crampus, pas crampos. Cette fois, j'ai une vraie preuve. Regarde, c'est lui, là. Elle est hyper vieille, la photo. Elle date de son expédition pour trouver le crampus dans la montagne en 1907. Les crampus, les elfes. Les licornes. On n'a plus 5 ans, David, ça n'existe pas. Il l'a trouvé, c'est juste que personne ne l'a cru et qu'on l'a fait passer pour un fou. Je suis sûre que le campus est toujours là-haut. Et les sacs, là, c'est pourquoi ? Devine. On va quand même pas aller dans la montagne. Bah quoi ? T'as peur ? On n'a plus 5 ans, Julie. Salut à tous, je suis avec David. Hey. On part à la recherche du campus. On est en train de préparer nos affaires. Et tout ça pourquoi ? Sûrement pour rien, parce que le grand il existe. N'existe pas. On va y cacher là-haut. C'est par là ? Je suis pas sûre, mais ouais. Oula, fais gaffe, c'est pointu. Merci. Attends, je vais regarder la carte. Une carte ? Carrément. On a plus 5 ans, mais on en a pas non plus 80. Hein. Bah vas-y, essaye de taper grotte du crampus dans ton GPS. Cette carte était dans le carton. Il reste les indications écrites pour emmener un grand-père. Et t'arrives à lire ? Tu sais pas où on doit aller ? Non, pas vraiment. Quand on sait pas, on demande à Internet. On a besoin de votre aide pour aller à la grotte. Soit on longe la rivière, mais le chemin a l'air plus compliqué. Ou alors on fait un détour en contournant dans la montagne, mais le chemin est plus long. Aidez-nous là, franchement, là on est vraiment paumés. Alors, ils disent quoi ? Ils nous disent de longer la rivière. Ok, c'est parti pour la rivière. Ah, t'es lourd. Oh, ça va. Vas-y, hop. Évite de mettre tes pieds sur la mousse parce qu'après ça glisse. Redescendre et contourner ? Non, attends, on n'a plus le temps, là. Regarde, il y a une corde. Je sais pas à quoi tu penses, mais c'est mort. Si, il faut qu'on descende, on n'a plus le choix, maintenant. Non, non, mais on a dû se tromper de chemin. Il faut redescendre par ici et... Regarde, c'est le moyen de savoir. Julie, ton sac ! Tu peux le faire, vas-y!
C'était génial! C'était horrible! Mais c'est trop bien, arrête de râler! T'es encore en vie, elle rage pas! Arrête, c'est un miracle que je sois encore en vie! Ah, par contre, le temps commence à se couvrir là, faudrait qu'on y aille. Effectivement. Allez. Ok, on y est. On fait quoi maintenant? On devrait attendre qu'il sorte pour l'observer de loin et ne prendre aucun risque. Quoi? Chut! Non, pas chute! La nuit va tomber, on va pas encore attendre. Je vais rentrer dans la grotte et te prouver une bonne fois pour toutes que le Krampus n'existe pas. Je suis en direct de la grotte du Krampus pour prouver à David qu'il n'existe pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, dégueulasse. Julie, reviens. Va y voir ce qu'il y a d'autre. C'est pas le fusil du grand-père?